Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Nouvel épisode ce soir, n'hésitez pas si vous avez envie de nous soutenir à liker, commenter, partager, activer la petite cloche, abonnez-vous et parlez de nous autour de vous, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à vous. Maintenant, il a son mouvement. Il sort. Et là, bon, il a non, mais pas là, son médaillon. On peut le rattraper. Hein. Il a pas son médaillon. Il est rattrapable. Hein, déjà ça. Grave. Ouais, mais là, il. Il a pas son médaillon. Ah putain. Génial. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Bah, on va découvrir après. En fait, maintenant, on va rester dans l'ordre de l'initiative pour faire. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer quand même de le. Le but, c'est pas de le. Poursuite. Tuer quoi? Bah là, surtout qu'on n'a qu'un tour en fait. Moi, je vais essayer de lui faire des dégâts pour que tu puisses refaire slip par exemple après. On a qu'un tour. Ouais, mais slip, ça marchera parce jamais. Une fois qu'il pense. Est dehors, il se re-téléporte. Attends, et on ne voit plus jamais. Enfin, je veux dire. Mais si, en fait, slip, c'est sur ses points de vie. Donc si on lui fait des dégâts et qu'il reste 15 points de vie, là, elle peut vachement plus facilement endormir. Mais on ne sait pas combien il a de points de vie. Hein. Il est hyper puissant, ça se trouve. Il n'y en a pas 80 non plus. Pas trop sourire. Hein? Ah, je sais pas. Non, 80, c'est beaucoup. Enfin, je suis pas loin. Mais il en a pas mal. Bah ouais, nous, je veux dire, on est niveau 7. Enfin, je sais pas. Moi, j'en ai 54, quoi. J'en ai 73. Bon, donc. Bah oui. Dans l'ordre, c'est à Dithmir. Ensuite, ce sera à Kaïs. Que fais-tu? Eh bah, je cours. Tu cours? Alors, lui, donc, il était là et il a 6 cases de mouvement. Donc, il est à. 5. Si tu dashes, tu peux le rattraper. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok. Et je vais faire Action Surge pour le plaquer et réessayer de l'empêcher de parler. D'accord. Vas-y. Fais-moi ton test de... C'est quoi du coup? C'est une attaque, c'est ça? C'est une attaque, ouais. Donc là, j'ai plus avantage, j'ai plus rien. Non, t'as plus avantage. Et je fais 21. 21, c'est... Une seconde. Est-ce que j'utilise une réaction pour faire ça? Non. Oui, tu parviens le. Tu le mets au sol. Un parchemin, c'est one shot. Il est consommé. Ouais. Je le mets au sol. Ouais. Mais je peux pas le baïonner, c'est ça? Non. Bon, ce sera à quelqu'un d'autre de le faire, mais au moins. Très bien. Il court plus. Il est au sol. Et vous êtes à 6 cases de la sortie. J'ai déjà fait mon action surge, donc je crois que je peux rien faire d'autre. Oui, c'est vrai. Oui, donc moi, je... Donc voilà. Alors... Ensuite, c'est à KSO. 2, 3, 4, 5, 6, qui va se mettre au bord de sa tente et qui va dire « Légionnaire, appréhendez et telle vie de Calvénès, c'est un ordre !» Voilà. Bon. C'est sympa de sa part. J'avais un peu peur de me faire lyncher lors de cette tente. il attaque le conseiller. Très bien. Ensuite, Birzim. Moi, je peux pas arriver jusqu'ici. Enfin, attends, c'est combien de cases de déplacement? Alors, de la sortie, tu as une, deux, trois cases. Et ensuite, il y a 6 cases de l'autre côté. Ah oui, donc je peux pas arriver jusque-là. Tu peux faire un sort, du coup, si tu nous vois. Ouais, mais un sort... En fait, si tu lui fais des dégâts, c'est vraiment des dégâts, franchement. Ouais, mais c'est pas sûr du tout. En vrai, on sait pas combien. Enfin, tu vois, genre, elle a 73 points. Ouais, oui, je suis d'accord. Lui, ça se trouve, je sais pas combien il en a, quoi. Ça se trouve, il en a 120. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il faut arriver à distance et le baïonner, quoi. Bon, vas-y, je lui fais Blight. Tu fais Blight? Ok. Il faut que je fasse un test de constitution. C'est ça. Je me mets à côté de... Enfin, je mets le plus... Je sors le plus possible. Tu sors de la tente, quand même? Ouais. Ouais. Et... Le plus possible, il a dit. Ah, le plus possible? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ici. Ouais. Très bien. De toute façon, je... Et tu fais Blight, c'est save de constitution? Ouais. Quelle difficulté? 15.
Ça fait 15. Comme light. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. De ouais. Feu nope. Non, de nécrotique. De flétrissure du corps. Mmh. Ouh là là, je fais 9. Donc c'est échoué. Je vais prendre 100% des dégâts. Bon alors ça va prendre un peu de temps. T'en veux d'autres ? Non, non, bah, non. Ça va aller. Donc, 5. 7. 15. Allez. Ah oui. 23. Nice. 25. 33. Combien de dés ? Ouais. Ouais, 39. 45. 45, c'est un niveau 4. Hein. 45 points de dommage. C'est 8. 8. C'est énorme. 8, putain, lâche. À quoi ça ressemble quand tu fais Blight ? Que moi ? Ouais. Ce que... ouais, à quoi ça ressemble le sort ? Bah, je reprends l'espoir là un peu, tu vois. Bah, en gros, je mets mes mains comme ça. Mmh. Et on sait pas si c'est vraiment une illusion ou si réellement on a l'impression que ma corpulence change un peu comme si je me gonflais de quelque chose que je suis en train d'aspirer, tu vois. Ouais. Et j'ai un peu un voile sur les yeux, tu vois, qui un voile blanc qui apparaît. Et il y a une espèce de quelque chose, un truc entre lui et moi qui ouais, comme un flux, qu'on voit pas mais qu'on ressent comme si comme les mirages, tu le draines. Voilà, tu sais quand il y a de l'essence et ça fait un truc dans à l'air la chaleur, comme ça. Il y a un truc qui fait et donc lui on lui... sent qu'il est comme s'il se comme il si faisait aspirer son énergie vitale et est-ce qu'il y a d'autres effets à part les dégâts à Blight ou est... non, c'est pas no effect. Ensuite, c'est à corbe de jouer. Non. Très bien. Pas que je sache. Ça j'ai pas l'impression. Corb, toi, t'es mal placé. Bah, il faudrait que je sorte. Ouais. Je lui ai quand même enlevé 45. Bah, c'est pour ça, ouais. Je vais être quand même vachement plus détendu là. 5, 6. Je te laisse. T'as un visuel. Bon, bah, je retente, hein. Tu retentes. Il a 45 slip points quand même. Vas-y. Ouais. À quel niveau ? Bah, 3. Niveau 3. Vas-y. Oui. Je pourrais tricher, mais tout le monde s'en rendrait compte. Je viens de faire un niveau 4. Je pense que tu n'as qu'un seul spell slot de niveau 4. J'adore cette honnêteté de dire je pourrais tricher. Je pourrais tricher, ouais. Je pourrais dire bah, niveau 4. Où est le problème ? Et donc, 5, 7. On dirait vraiment, pardon, 9. Un truc 9. De politicien, tu sais. 9. J'aurais pu mentir. Oui, j'aurais pu mentir. Et bien, j'ai fait le choix d'être honnête ce soir avec vous. T'as combien de dés à la base ? C'est 5. 5, donc 9. 5, 4. Ouais, 9 dés. Mmh. Vas-y. Allez. Allez. Je peux quand même faire quelque chose go de... Go girl! Pas ouf. 10, donc 21. Mm-hmm. Et... Tu vas dormir, putain! C'est pas mal, c'est pas mal. 21. 32. Attends, 21. Et 12. 32. 33. 33 même. 34. 37. 37? Ouais. Il s'endort. Ah putain, oh yes. Je lui mets une patate. Un gros coup de pied dans les couilles, allez. Bah, ça va. J'ai pas vu. Il dort. Tu vois que je le sens s'endormir et je me retourne par terre, genre. Ouais. Et du coup, il s'endort comment ? Il s'endort genre. Pouf, il tombe ou c'est un ouais, peu c'est un truc genre. Comme une fin, comme. Il suce son pouce. Ouais. Je suis par terre et je vous fais comme ça. Et beau travail d'équipe, hein. Je ramasse le médaillon. Ouais. Non. Tu récupères son okay médaillon. On peut du coup, j'imagine qu'il y a des légionnaires qui arrivent. Ouais. On peut le baïonner du coup, tout ouais ça, tranquillement. Oui, vous y mettez à plusieurs, très solidement. Ah, c'est... J'y croyais et pas. Chose de fait. Vous pouvez me faire un test d'arcana tous les deux. C'est fou, bien vous sûr avez eu autre... On doute, on est la compagnie du baluchon. Ouais, justement. Moi, je suis une merde. Ça a failli... Pas des super jets ce soir. Non, que des jets de merde. Il y a des sports sans. Oh ah, bah voilà, ça vient. Donc 6. Ok. Bah, on sait rien. Bah non, mais il y a quelque chose auquel j'aurais pu vous faire penser en plus, mais bon, bah c'est oh, pas le moment. On joue avec nos crottes de nez. Ouais. On fait ah, on a fait tout ce qu'il fallait. C'est bien, au moins on a rien oublié. Il est attaché et baïonné, ça le réveille, mais bon, de toute façon. Il peut pas faire un truc avec juste les yeux.
Non. Bon, il est attaché, bâillonné, il a plus son médaillon. Il y a des choses, c'est les ensorceleurs, c'est la classe d'Arsael, qui ont des options de métamagie, ça s'appelle, qui leur permettent de faire des sorts silencieusement et sans mouvement, etc. Mais pas les magiciens. A priori, lui, c'est un magicien. Et puis, de toute façon, on demande à... Faut l'attacher. Dans la KSO, s'il peut y avoir toujours des légionnaires armes sorties. Bien sûr, bien sûr. Bah, enfin, sauf s'il a des... Oui, oui, enfin là, oui, oui. Mais... Bon, bref, pardon. Non, je me dis, ça, il a peut-être des... Non, mais il y a peut-être des gens qui sont dans le camp qui sont de mèche avec lui, quoi. Mm. Ou des mecs qu'il a ensorcelés, enfin, tu vois, un truc... Moi, j'aimerais bien que mon frère garde un œil sur lui. Enfin, de toute façon, je pense qu'on va d'asseoir là-dedans et que personne rentre, en fait. Ouais, ouais, on se met dans la tente. Son pote, oui, KSO donne des ordres dans ce sens-là. On va réveiller deux légionnaires qui sont Poulot et Poulot. Poulop. J'ai quelque chose. Et il y a deux légionnaires qui sont maintenus toujours, enfin, qui sont toujours en position derrière Etelvi, qui a donc les mains attachées dans le dos et il est attaché à sa chaise même. Et bâillonné. Je prends son objet, là. Non, je l'ai. C'est toi qui l'as pris. Tu l'as pris, tu l'as ramassé. Je l'ai. D'accord. Vous voulez le narguer ? Non, je voulais juste qu'on le garde. Ah, je vais te demander comment il est, le médaillon. Comment il est ? Ouais. C'est... Il y a un symbole d'Arawiti. Arawiti. Ouais. Non, non, il n'y a pas de symbole d'Arawiti. C'est comme un nuage, mais en forme de goutte. Donc, c'est vraiment... ça ressemble à un petit nuage, mais qui serait propulsé dans le vent. Voilà, c'est tout simplement ça. Genre de paix. Non, genre de... Tiens, je pensais que tu aurais eu une autre image. Non, le nuage magique. Plutôt le nuage magique de Dragon Ball. J'avais le paix, moi, j'avoue. Ouais. Ça ressemble plus à, au nuage magique. J'avais l'emoji... T'as dit le nuage de chichi ? Non, c'est moi. Ouais. N'importe quoi. Et quand tu le touches, ça fait... Non, c'est vrai. Voilà, ça ressemble à ça. Et il y a un petit symbole dessus. Ça va ? Pardon. Vous voulez boire une bière ? Qu'est-ce que je vous sers ? Faut qu'on prévienne mon frère qu'il y a le mec qui va venir. Ouais. J'ai oublié son nom. Makuuchi. Makuuchi, ouais. Je dis à mon frère, il y a un clerc du nom de Makuuchi. À ce moment-là, il y a un légionnaire qui arrive devant la tente et qui dit Tribunus Coortis, il y a un prêtre d'Ariman qui se. Oui, voilà. Donc, oui, Makuuchi. Makuuchi, oui. C'est celui. C'est notre homme. Voilà. On l'a fait venir pour jeter un sort. KSO intervient en disant oui, faites-le rentrer. Par contre, je me dis un truc. Le truc de vérité, ça ne l'empêche pas de jeter des sorts, en fait. Enfin, ça ne le rend pas. Il reste hostile envers nous, quoi. C'est hyper dangereux. Si on le débaillonne, il peut dire. Certes, il peut que dire la vérité, mais il peut faire ce qu'il veut d'autre. Il peut que faire des sorts à composante verbale, ça veut dire. Il en a un paquet. Il est attaché. Il peut faire Thunderstep déjà, ce qui est bien relou. Non, Thunderstep, c'était somatique. Il a dû bouger. Non. Somatique, c'est gestuel. Oui, oui. Il a fait un geste. Non, autant pour moi. Ah. Thunderstep, c'est verbal. Thunderstep, c'est verbal uniquement. Mais c'est pas le sien. Oui. Et c'est Counterspell, où il a fait un petit geste de doigt. Ah. Parce que Counterspell, c'est gestuel. Eh bien, on lui bande les yeux. Comme ça, il peut pas se téléporter. Mais on sait pas quel autre sort il a, quoi. Non, bah ça, je suis d'accord. Après, peut-être qu'on peut briefer avec le prêtre. Déjà, on lui bande les yeux. Et si jamais on le faisait parler avec vraiment une épée sous la gorge, quoi. Oui, oui. Voilà. Il faut aussi, c'est bien, ça prend vraiment la forme. Il a deux lances pointées sur lui, on lui bande les yeux. Ah, mais vraiment, à la seconde près, on lui dit attention, on va t'enlever ton baillon. Mais vraiment, si tu prends un autre mot que ce qu'on te demande, c'est terminé. Il ne veut pas s'amuser à... Il n'aura pas le temps d'inventer quelque chose, et puis voilà. Le clerc, donc Makuuchi, est-ce qu'il sait, aussi, tout simplement, lui... Avant qu'on le débaillonne, est-ce qu'il y a d'autres sorts que vous pourriez faire pour le rendre moins hostile à ce moment-là ? Est-ce qu'on ne peut pas le charmer ? Tu sais le charmer, par exemple, pour le rendre moins hostile ? Il y a un sort qui s'appelle Charme Personne, mais je ne le connais pas personnellement. Un filtre d'amour, ça marche pas ? Moi, je peux faire charme. Tu peux essayer de le charmer, déjà, tu vois, qu'il soit un peu moins hostile. Mais après, c'est juste envers moi. Hein. Moi, je l'aurais charmé, mais vous, il sera toujours hostile envers vous. Quoi. Il ne trouvera pas charmant du tout. Non, c'est vrai. Et vous pouvez pas le rendre, je sais pas. Amoureux ? J'y connais rien. Arrête avec ça.
Mais franchement, là, si tu veux le forcer à boire le filtre, c'est le moment. Qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, vraiment de le menacer physiquement avec une arme? Mais oui. Il n'arrivera pas à dire autre chose que ce qu'on lui demande, et puis voilà, sinon on le tue. Non, mais ça, ce sera le cas, de toute façon. Ce que je disais, il y a des légionnaires qui le, qui le pointent. De toute façon, qui en joue. Pardon, ce qu'elle disait, c'était vraiment l'âme sous la gorge. On lui pose une lame sous la gorge. Genre une Sunblade. Bah, je pense, moi, j'enverrais bien plutôt un légionnaire. Une faucille, ça prend bien la forme de la gorge. Moi, je serais plus pour que ce soit un légionnaire qui fasse ça, par exemple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas juste l'avoir en joue. C'est bien lui expliquer que le coup part tout seul. Quoi. Tu t'es souvenu du Thunderstep? Ouais, Thunderstep ou ouais, je sais pas. C'est pas ce qu'il peut faire. Ouais, mais il fait beaucoup moins mal que le tien. Pas sûr. Ça se voit, il est pas seigneur. Si vous voulez. Moi, je vais me tenir derrière lui. Ok, bon, fait. Et je lui bande les yeux. Moi, je me mets près de la sortie pendant l'interrogatoire. Moi, je vais à côté. Avec Hervé. Mec, il fait comme ça. Essayons. De voilà. Bon. Leclerc, il fait son zone de vérité. Ouais. Il est en train de. D'ailleurs, à peine il est rentré dans la tente, il a commencé à. Il le casse en rituel. Il est en train de. C'est pas nécessaire normalement. Pendant qu'il fait ça, est-ce que quelqu'un aurait un petit soin comme ça qui traîne? Oui, bien sûr. Possible. Mais moi, je peux te. Ouais. Tiens, attends, je te fais un 2D8 plus 3. Je te. Ouais, bah, faut que tu. Je propose que du coup, on le. Et Telvi, la première question, c'est. Enfin, déjà, on le brief. Je pense que. Est-ce que Kaïso va vouloir poser les questions en premier ou pas? Pas forcément, non. Non, mais attends, genre, là, il est bâillonné. On lui dit. Ce que tu as dit, c'est-à-dire, tu as une lame sous la gorge. Si tu dis autre chose qu'une réponse à notre question, on te truc. Et ensuite, on lui dit, est-ce que tu es prêt à obtempérer quoi. On lui enlève le baillon et il ne peut pas mentir. Donc déjà, on aura peut-être une... Si on veut, on peut aussi torturer un petit peu avant, comme ça, il sera faible. Vous dites tout ça devant lui. Hein, je te trouve bien. Non, mais pardon, mais en fait, prenons pas de risque. On peut le mettre inconscient, on lui donne une baie. On sait qu'il est vraiment à pas grand chose. Et il bouge, on le plante. Moi, je trouve ça super. Donc, tu le tabasses, quoi. Ouais. Bah, quoi. Bah, ouais. Je veux dire, c'est un des meneurs d'une secte démoniaque. Je vous avoue que j'ai aucune pitié pour lui, là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Qu'il soit pas l'air choqué, j'imagine. Absolument pas. Il adore. Il est ramé. Non, il n'adore pas. Il est pas. Je pense que c'est légionnaire, il savent faire. Donc, Il a plutôt, plutôt une tête de. Bonne c'est idée. Pragmatique, quoi. Oui, oui. Bon, bah. On le débaillonne. Enfin, c'est nous qui allons faire. C'est les légionnaires qui le font. On le tabasse. On le tabasse. Bon, alors, vas-y, hein, toi. Quand il est inconscient, on lui redonne une baie. Voilà. C'est vrai. Allez-y. Kaïso, pardon, regarde, c'est légionnaire. Attention de ne pas trop le tabasser. Okay, vas-y. Non, mais une fois qu'il est inconscient. De toute façon, tu le tabasses à main nue. C'est légionnaire. Comment faire? Allez-y. Et donc, les légionnaires s'approchent. Parce que c'est quand même quelqu'un dont ils ont reçu des ordres. Et... C'est le moment de se venger. Et là, ils lui mettent des patates dans le ventre, dans le. Vous entendez? Il encaisse des coups. Oh, c'est... Ça prend un moment. Ouais, ouais. C'est bizarre. Moi, je pense que je sors en attendant. Je vais pisser. Je suis encore en train de regarder la tente, vraiment. Et donc il se fait littéralement tabasser devant vous. À un moment, il tombe de la chaise, il se prend des coups de pied dans le ventre et tout. Il finit par perdre connaissance. Moi, je. Pas d'omelette sans casser les yeux. Je sors une baie. Hein. J'ai un. Enfin, je. À un moment, je. Enfin, je peux plus regarder quoi. Enfin, j'ai un. Tu tournes le regard. J'ai un. Ouais. Enfin, je sors même. Enfin. Moi, je suis dehors aussi. Ça m'a. J'ai envie de mettre en dehors de la. Mais ça m'a chamboulé, quoi. Il y a un truc, genre, je sors... Tu vois bien Zim qui sort, qui a... Je pense que je le regarde pas. Limite les larmes aussi, pas à l'aise. Ouais. C'est bon, il est inconscient. Je m'approche... Genre, j'ai les mains qui tremblent un peu, quoi. Je suis pas bien, quoi. Ah, OK, bon. Dans ce cas, je te dis rien, mais juste je mets une main sur ton épaule. Non, mais c'est bon, ça va, ça va. Je re-rentre, du coup. Et tous les deux. Et donc, tu t'es approché, je toi. Je m'approche, m'agenouille, je lui mets la baie dans la bouche. Mm-hmm. Donc, j'enlève le baillon. Mm-hmm. Je lui mets la baie et au moment où il se réveille, je lui dis... vous connaissez Malkaine? Malkaine, ça vous dit quelque chose, une alpheline? Non, mais c'était tout à l'heure qu'il fallait demander ça. Oui. Je le rebaillonne.
Mais non, non, il, non, il est censé dire il la vérité. Il est débaillonné. Il a pas fait le sort encore. Si, si, il est fait. Mais si, ah, si, ah, si, ouais. Le sort, il a été casté. J'ai connu une personne qui s'appelait Malken, mais pas une alpheline. Pas une alpheline? Non. Bon, bah, c'est juste, bah, juste un nom commun. C'est un prénom. Oui, oui, c'est un prénom. Genre Bayonne, là. Genre, j'ai une conversation sympathique avec lui. C'est un prénom. Je lui dis... C'est un prénom. Mais qui vient se faire tabasser. Bon, c'est un prénom. C'est un prénom, quoi. Vous avez d'autres questions, peut-être? Pour ça que vous m'avez tabassé. Je lui remets le baillon avant que... Eh ben, merci. Et, je le, et, je, et donc, je vais le briefer. Donc, à partir de maintenant, tu vas répondre à toutes nos questions. Si tu dis quoi que ce soit d'autre, et je prends, tu sais, j'imagine les génères, ils ont quoi? Ils ont des lances ou des... Ah, ils ont des lances. Tu vois, je prends une des lances, parce que je l'ai, tu sais, il est toujours... les yeux sont bandés. Ouais. Ah! Il a les yeux bandés. Oui, je t'avais dit, je lui bande les yeux tout à l'heure. Ouais, ouais. Et donc, je prends une des pointes et je l'approche un tout petit peu de son ventre. Mmh. Et de toute façon, dis, faut que ce soit collé que... à tout, à lui. Hein. Ouais, ouais. Vu ton état, je pense que ce sera suffisant. Mmh. Est-ce qu'on s'est bien compris? Mmh. Parfait. Je lui enlève le baillon. Je lui dis... Sache qu'on a déjà tué Quillis, donc on n'hésitera pas à te tuer aussi. Pourquoi... Pourquoi chercher à faire revenir Arawiti ici? C'est bien pratique, ça... Ça occupe. Ça occupe. Ça occupe... Légionnaire. Pendant que autre chose se passe en Kaopona? Oui. Ah. Quelque chose se passe... autre part. Loin d'ici. Où? Au moins... à 200 mètres. Il disparaît. Putain! Pardon. Il disparaît? Il a incanté verbalement le sort Dimension Door. Mais à quel moment il l'a incanté en disant quoi? J'ai dit quelque part, loin d'ici, au moins à 200 mètres. Attends, mais on est dans une zone de vérité? Je lui pose une question et il me répond autre chose que ça? Ben non, il t'a répondu son incantation, mais il ça passait comme une réponse. Non, je lui ai demandé quel est le but d'invoquer Arawiti et il répond la vérité pour se téléporter. Non, il a répondu la vérité, il a répondu pour occuper les légionnaires, c'est pratique. Je suis sûr que ça marcherait pas. Et tu as dit, pour quelque chose se passe en Kaopona, où il a dit, quelque part, c'est vrai, c'est quelque part, c'est loin d'ici, c'est au moins à 200 mètres. Et là, il s'est téléporté. Il est juste malin, en fait. Hey, okay. Eh ben, je suis désolé de jouer un perso qui a des intelligences. Non, mais je suis d'accord. Je dis juste, le mec, il a un point de vie. On a des trucs. Moi, je pars du principe que les légionnaires, ils ont retardé leur action à s'il se passe quoi que ce soit. Oui, mais s'ils se téléportent, c'est immédiat. C'est un sort de niveau 4. Enfin, c'est un truc... C'est immédiat, téléportation. C'est une action. C'est sûr. C'est juste Adolf, que la question qu'on lui a posée avait comme potentielle réponse un truc qui était une invocation. Ben non, mais c'est très difficile de prendre au piège. Le problème, c'est que si vous voulez faire parler quelqu'un qui se sert de la parole pour être... Son truc de puissance, c'est d'être capable de parler. C'est difficile Et pourquoi on lui a pas demandé de répondre par écrit? On est vraiment des... Bah parce que du coup, il pouvait faire des trucs somatiques. Juste avec la main, ça, c'est un autre truc. Je vous ai fait faire un test d'arcana tout à l'heure à tous les deux. Et somatique, c'est des gestes, et potentiellement, genre ça, c'est des gestes, quoi. Ah, ok, d'accord, bon. C'est-à-dire que les mains liées, potentiellement, ils pouvaient faire sigles, machin, quelque chose pour incanter en somatique aussi. On reprend la scène, il disparaît, il y a KSO qui fait « Putain !» Je sors, moi, de la... Je sors, voir si... Si c'est téléporté, il peut être vraiment n'importe où. Est-ce que quelqu'un a une idée de... À quelle distance il peut être? Il peut être 200 mètres. Vous pouvez 200 mètres. Il est à 200 mètres. Moi, je le sais. Alors, il a dit au moins à 200 mètres. Vous pouvez me faire tous les deux un test d'arcana. C'est Dimension Door, le sort. C'est pas Thunderstep. Ah, c'est... Non, mais moi, je connais. Enfin, je le sais, en fait. Vous deux. Moi, je le sais. Donc, je... Toi, tu le sais. Adrien. Dimension Door, je sais où est-ce qu'il peut se téléporter. Ah ouais. Bah, parce que j'ai failli le prendre. Ah oui, t'as hésité à le prendre. Bon, je fais 17. Ouais, ouais. Du 7. Alors attends, ça réussit forcément. En fait, c'est... Bon, je peux pas le dire. T'as fait
Du 7. Du 7. 10. Tu le sais, c'est 150 mètres. Ah bon? Autant pour moi, j'ai dit au moins 200 mètres, mais c'est 150 mètres. Ah, mais... C'est 500 feet. Ah, mais alors c'est pas ce sort-là, moi, que j'avais... Moi, c'était genre ultra puissant, le truc. C'est genre, je pouvais me téléporter n'importe où, dans un endroit que je connaissais. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est Dimension. Ah, mais Dimension c'est 150 mètres. C'est 150 mètres. Oh, c'est de la merde. J'ai bien fait de pas le prendre. Bah, sauf bon, quand on tu a fais, une chance non, mais de sauf le là. Oui, mais donc, c'est pour ça. Donc, je sors... direct quoi, je ouais. sors et je, ouais, je cours. Faites-moi des tests de Hervé, perception. J'envoie Hervé voler en voler et voir où est-ce qu'il le, okay. s'il le repère. Allez mon VV. Allez. Ah, j'ai fait un vin naturel. Ah, plus ton score de perception. 25. 25. 150 mètres, ça va. En plus, il est faiblard. Oui, en plus. Bah ça, c'est le problème de D&D, c'est t'as un point de vie, t'es en pleine possession de tes moyens quand même. C'est comme, ouais, ouais. Il n'y a aucun bah non, système qui est parfait. Hein. 12. Oui, bah après, c'est à la discrétion du MJ aussi, de le dire. Moi, j'ai fait 6. C'est vrai. 6, 12, vous voyez pas grand-chose. T'as fait combien pardon, non, un jet de quoi perception, mais fais-le pour Hervé, si tu veux. Tu projettes tes sens dans Hervé. Et avec ma perception et... ou celle d'Hervé? Non, avec la sienne, avec la sienne. Ah ouais. Qui n'est pas dégueu, 25, tu le repères. Ok. Il est où? Ah bah tu il est à 150 mètres en train de courir comme un dératé. Non mais en fait, 150 mètres, c'est en dehors du camp. D'accord. C'est vraiment devant l'entrée du camp et il est en train de tracer. Ah, j'imaginais le camp immense, moi. Ah, c'est immense, mais oui, en fait, il y a l'entrée du camp et à peut-être 50 mètres de l'entrée du camp, 50 mètres, c'est quand même grand, il y a la tente du général, quoi, et vous étiez là-dedans. D'accord. Et lui, il s'est téléporté à 100 mètres de l'entrée du camp. Non, juste, et je vois pas perception ville, pour Hervé. En train de courir comme un fou en direction de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire à distance, sachant que je vois où il est? Non, mais je vois où il est. Tu le vois? Oui, je vois. Bute-le. Ah ouais, une flèche, hein? Pas, si. 150. La portée de ton arbalète, je crois que c'est 300 au maximum. Juste, et moi, je... sors, c'est loin. Hein. Je ouais, projette mais pas, mètres, mais... C'est bon. 150 mètres. Non, c'est 300 feet, je crois. Regarde. Je cherche. Je projette pas mes sens dans Hervé, hein. Je lui dis juste d'aller regarder, mais moi je regarde aussi de mon côté. Juste d'accord. Hervé, s'il le voit, il me dit quoi. Là, tu peux faire un test de perception pour toi aussi. 80-320, donc quoi? 80 mètres, 320 feet? Non, c'est 80 feet et 320 feet. La 320 feet, c'est la portée maximale de ton arbalète. Alors, là, je lui tirer dessus. Bon, ouais, je fais 12 aussi. Non, il est à 500 feet. Ah ouais. C'est le problème des conversions mètres. Okay. Déjà, tu peux le pointer à tout le monde. Ouais, je vous montre. Il est là-bas. Qui nous aide vachement. Bah, envoyer des chevaux, quoi. Est-ce qu'il y a un cheval? Est-ce qu'il y a un cheval? Est-ce qu'il y a un cheval de dispo? Moi, je sais pas. Il se prend un pied de géant. Ok. Attends, dis-moi, t'as fait combien en perception, toi? De la merde, 12. De la merde. Les deux ont fait 12, mais attends, je pense à un truc. Faites votre truc. Hein. Enfin, Dans le sac sans fond, on n'a pas des objets magiques hyper cool. Pour faire des distances. Attends, il est à 500 pieds, là? Oui. Ah, c'est à chier, putain. Il a porté des sorts là. Allez, non, non, toi, mais Thunderstep, tu vois. Je voulais faire Thunderstep et arriver à côté de lui. Mais... Thunderstep, ce n'est que 90. Ouais. Ça reste, putain. Et d'ailleurs, vous le voyez tous. Donc, toi, t'es en train de chercher un cheval, etc. Ouais. Vous êtes un peu en agitation comme ça. Et Corb, qui a vraiment un visuel sur lui, tu vois que. Il redisparaît. Il refait Dimension Door. Il reprend 150. C'est mort. Putain de sa mère. Ouais, c'était sûr. Non mais attends, il a pas 150 sorts, moi je m'en fous, j'essaye de le tracer avec le cheval. Après, en vrai, on vient de le tabasser quand même, enfin, bon. Mais oui, oui. Ouais, mais bon. Il y a un moment où il aura plus de sorts de niveau 4, tu vois. On oui, peut, non mais... À la longue, on peut essayer de le traquer. Oui, on sait pas dans quelle direction il a redisparu la deuxième fois. Ah oui. Tu vois, oui. C'est ça le truc. Bah je renvoie, enfin Hervé, de toute façon... On arrive à le traquer, ouais, c'est pas facile, je suis d'accord. Bah de toute façon, on n'a pas le choix que d'essayer. Hein. Ok. On a assez de chevaux. Tu voulais faire quelque chose en particulier? Bah moi, je vais me balader. Je voulais aller dans sa tente à Etelvie, juste... Ouais. Je sais pas, moi, je... La je ranger qui veut pas, son qui médaillon, veut pas ranger. Je refais un nœud, je le mets autour du cou. Tu prends un bain, je le garde autour. Non, mais pour moi, je peux pas courir. T'imagines quoi, en mode série, où tout le monde est là, et d'un cut, et ta mina... Mais tu veux pas essayer de le pister? C'est quoi ta classe, déjà, juste pour... Si, je peux essayer de le pister, mais si vous n'arrivez pas à l'attraper, que je le piste maintenant, dans 5 minutes, c'est pareil. Hein. Là, sauf que dans 5 minutes, moi, je suis vraiment loin. Un cheval ou pas? Ouais. Enfin, il n'a pas des sorts illimités non plus. En fait, je vais à côté de toi, je te fais monter. Okay, okay. Dithmir prend quelques temps pour. Il a trouvé un premier cheval. Il y en a d'autres un peu plus loin, mais effectivement, c'est peut-être si jamais on est à cheval, c'est quoi notre vitesse?
On fait quoi? Alors, la vitesse d'un cheval, je vais regarder tout de suite, mais c'est assez rapide. Parce que déjà, si on va là, dans la direction de où il a disparu la deuxième fois, de là, tu peux le repérer. Ouais, le problème, c'est que les tours, c'est 6 secondes. Hein. Donc, il a fait disparition, il a couru, 6 secondes se sont passées, il a fait redisparition, il est réapparu 150 mètres plus loin. Donc là, il a pris 300 mètres en 12 secondes. Eh ben. Oui, oui, non, mais c'est juste pour bah, dire le. Ça va vite quand même. Un cheval, ça va vite. Ça. Un cheval qui dash. Ouais. Ça va plus vite qu'un mec qui vient de se faire tabasser. La vitesse d'un cheval, c'est. Ils doivent nous insulter. 60 feet par round. Ah, donc, bah, là, ouais, mais si vous faites. Ça fait x2, donc ça fait 120. Ah, on était à chier. Et sur les deux plans là, c'est vraiment de la merde. On n'a pas été nul, on a fait du mieux qu'on pouvait. On part dans cette on direction. Aurait charmer, ouais. On fait d'accord. Ça. Ah genre ouais. On va lui donner un filtre d'amour par exemple. Mmh. Ok. Moi, j'attendrai vos excuses après quand vous serez revenu. Pardon. Vous courez à toute allure. On galope. Mais... Vous galopez. Moi, enfin, on est tous à cheval. C'est quoi le délire? Bah j'ai juste pris corbe parce qu'elle. Dites-moi, il a réussi à prendre corbe, okay. À prendre corbe sur son cheval. Toi, qu'est-ce que tu fais, Birzim? Bah, je prends un cheval aussi. Fais-moi un test de perception pour Hervé, qui est dans les airs et qui essaye de repérer. Alors Hervé, il vole vers la dernière direction connue, donc il fait 40 feet. 15. D'accord. Il n'a pas un avantage vu qu'il est en hauteur? Non, c'est pour ça qu'il peut faire le jet. Ok, d'accord. C'est le mec qui nous a fait... On essaie de gratter. Ouais. Il a fait quoi comme sort avant? Il a fait un counter spell. Ouais. Il a fait Thunderstep, il a fait Dimension Door, Dimension Door. Et il a fait deux Dimension Door. Putain, je sais pas quel niveau il est. Non, moi, je suis à sec après un slip. C'est pas vrai. Je suis à sec. C'est une phrase T'as marrant, pas fait ton polymorphe encore Je peux pas. Ah, à cause du slip. Fuck. Sinon, très bien. Alors, vous êtes Corbe et Dithmir, vous êtes à cheval lorsque apparaît devant vous. De nulle part, du sol, comme un geyser d'eau, apparaît un élémental. Oh là 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 là, le fils de chien. Devant vous. Le cheval se cabre littéralement. Ouais, faites-moi tous les deux un test de animal handling pour voir si vous. On est sur le même cheval. Hein. Faites-moi un saving throw de dextérité. Bah, Max. Mais j'ai le droit de trouver, de dire ça m'arrange pas. Moi, je suis sacrément dextre. D'accord. Donc, bah, moi, 7. Toi, tu tombes de cheval, mais tu arrives à te mettre sur tes pieds. 7. 7. Tu tombes. Okay. Donc, tu es au sol. Dithmir. Et on va recommencer une initiative. Vous êtes loin. Vous êtes les autres. Vous êtes à 60, donc 120 feet. Vous êtes à... 120 feet, ça veut dire 36 mètres. Arrivez vite. De l'élémental, quoi. 36 mètres, donc 24 cases. Élémentaire. On va les mettre ici. Oui, donc c'est pas si, pas si loin, on peut l'entendre, si quoi. Loin. Oui, bah, histoire que vous puissiez faire quelque chose potentiellement. Est-ce qu'on voit quand même Etelvi ou pas? Ou est-ce qu'on a aucune idée de faire un test de. 120 feet, t'as dit? Ouais, 120 feet, donc 24 cases. C'est pratique, c'est pile. Moi, j'essaie aussi de le voir quand même. Hein. Pour le Eldritch Blast ou Scorching Ray, c'est pile le truc. Après, C'est encore 10 cases de plus. Tu veux que le bord. Ça et le... Non, c'est bon. Comme ça. Donc on tire tous des initiatives ou pas? Non. Oui, vous pouvez tirer l'initiative. Même si on est trop loin pour... Okay. Vous pouvez tirer l'initiative et on considérer. On le voit ou pas, lui? Faites-moi un test de perception. Oh, joli. 24. Allez. On part sur de la merde. 24. 9. Pareil. Ça y est, tu... Mais non, mais jamais sur des trucs de bagarre. Oh, mais là, c'est utile. Oh. Non mais là, attends, là c'était l'initiative la ou perception pour, ah, moi juste pour voir. La perception, tu le vois, mais il est encore à 150 mètres de là où vous êtes. Non attends, pardon, c'est difficile de. Il a encore pris 150 mètres, donc vous alliez dans une direction vers un point à 150 mètres. Il a redisparu et il est reparti. Dans une diagonale. En laissant l'élémentaire là en laissant les non, en incantant l'élémentaire sur vous. Voilà. Et Vous savez pas faire ça, vous.
Faut être de plus haut niveau. J'ai failli. Invoquer un truc à 150 mètres, c'est bien. Mais j'ai failli. Moi, je peux faire avec une corde invoquer aussi loin. Non, il peut pas invoquer. Justement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Non, il y a un élémentaire. Ah, c'était stylé. C'est pas grave, c'est fait. Allez, c'est comme ça. Tant pis, je me suis trompé sur la distance d'invocation d'un élémentaire, mais on va dire que... Tu comprends sur la distance de l'arbalète après. Non. Et donc, il a 150 mètres plus loin, en diagonale, et là, il est aux abords de la ville, il est en train de se faufiler entre des bâtiments. Donc, initiative. 24. 17. Luchot. 14. J'arrive. J'avais pas du tout prévu qu'il se passe comme ça, ce combat. Bah, j'imagine, non, ouais. Non plus, hein. C'est épique. Je me demande où est-ce que t'as cru qu'on allait l'attaquer, Telvi. Je peux pas vous dire, mais... Moi, en tout cas, il n'a pas vu Malkan, alors vraiment... Je te rends compte qu'on a pu lui poser deux questions et que ça, c'est une des deux que tu lui as posées. Franchement, j'ai pas voulu être un salaud, mais le temps que tu lui poses cette question, il aurait totalement pu incanter déjà son truc. Tu vois, il a un fond sympa quand même. Ce mage qui veut détruire. C'est moi qui n'ai pas voulu être trop un salaud avec vous. Bon. Hein, hop. En tout cas, J'ai une pointe sur le truc et un point de vie. Je tente même pas de dire un mot parce que je vais me refaire planter. J'en ai pas enfin, cassé la gueule. Tu sers un démon, je veux dire, t'as pas peur de la mort. En fait. Ah, et puis il y a un ego aussi. Hein, le gars, il veut pas se faire avoir comme ça. Il a raison de l'avoir fait. Du fait. Corbe. Bon, cela dit, il nous a quand même dit que un c'était truc. Bien distrait. Yazim. Oui. Yazim. Quoi dit 14. Quoi dit Ouais, mais c'est juste qu'on... Et toi, 24. On n'est pas plus avancé sur combien il y a de gens dans la ville qui le servent et tout. Eh ben, c'est Amina de jouer en premier. Bah, moi, je sors de la tente de Telvi. Ouais. Je commence à courir vers eux. On considère que vous êtes donc à 36 mètres, 24 cases. Si tu fais que courir, tu parcours... t'es une elfling, donc t'as 5 cases. Tu parcours 10 cases par tour si tu ne fais que courir. Attends, mais moi, je suis plus près qu'elle. Moi, je suis à cheval. Et puis elle t'es à cheval ? Elle était dans la tente. Oui, mais je simplifie un peu. Oui, bah, je fais que courir, hein, dasher, je ne sais pas. Donc, alors, attends, je vais faire le calcul, 10 cases. Mon longbow, c'est 150 feet. Donc, à partir de... à partir de du tour prochain, tu seras au bord de la carte, d'accord ? D'accord. Et toi, Birzim, on va considérer que tu es à 10 cases du bord. Non, 8, 6 cases. Tu peux faire ton mouvement... Et arriver là. Ok. Si tu le souhaites. Bah, ouais. Donc, ça, c'était le tour de Mina. Maintenant, c'est au tour de l'élémentaire. Qui va tout simplement attaquer. Tu peux tout simplement nous défoncer. Vous défoncer. Il n'est pas si fort. Vous en faites pas. Bon. Il va faire deux attaques. Ouais, moi non plus. Il va faire deux attaques. Ouais, une sur Corbe, une sur Dithmir. Dithmir, ce sera avec avantage parce que tu es au sol. Ouais, tu es au sol. La mif. Tu es complètement éclaté au sol. Alors, mes dés sont très beaux, mais peu lisibles. Dans cette lumière-là, en tout cas. Non, de la merde. J'ai fait 10 pour toucher Corbe et 16 pour toucher Dithmir. Ça rate. Est-ce qu'on considère que mon bouclier, le bonus de mon bouclier est actif, même au sol ? Oui. Bah, ça rate, alors. Ça rate. Ça sert à rien de lui faire des dommages de feu, un élémentaire d'eau. Tu peux essayer. C'est à qui d'agir ? Je peux pas, essayer de le savoir surtout. Ce sera à toi. Vas-y, fais-moi un test d'arcana. Si c'est à moi, je vais me lever. On est tous les deux au corps à corps là, c'est ça ? Ouais. 22, je le sais. Ça n'aura pas d'effet décuplé. Ça va lui faire des dommages. Okay. Mais ce sera pas spécifiquement... Donc je vais me relever. Efficace. Je vais essayer de le prendre en tenaille. Ok. Le moins possible. Si je peux me mettre là et que ça compte, c'est cool. Ouais, là et ça compte. Et je vais l'attaquer. Et avant ça, je te dis. Ok, je m'en occupe. Essaye de choper Telvi. Ok. Après, tu. Je l'attaque, j'ai avantage ? Oui. Ok. Je fais beaucoup. Je fais 24 pour le toucher. Mmh.
Je vais faire une manœuvre de pushing attack. Ça me donne un dé 18 en plus. Je vais relancer un dé de dommage. Je fais du 7. Ouais. Beaucoup de dégâts. Ah, donc je peux lui faire un... De radiant. Radiant. Je peux lui faire une sneak attack par ailleurs. Oui. Et donc ce sera au final 21. Ouais. Et donc j'essaye de le pousser pour libérer Corbe. Donc, j'essaye de le pousser à côté de moi, enfin de le tirer là. Très bien, tu le tires comme ça. Voilà, pour qu'on puisse partir sans attaque d'opportunité. Il a un save de force DC 16. Ok. Il rate. Il rate. Je fais des jets pathétiques. Ok. Et donc je ferme ma deuxième attaque. À le tirer. Et je vais toucher parce que je fais 17 au dé. Pas avantage, hein? Non, j'ai jeté qu'un dé. D'accord. Je le touche, je fais 27 pour toucher. 27, tu touches. Je vais réutiliser une manœuvre. Je vais faire Distracting Strike. Ouais. Et je fais 12, 13 plus 7, 20 de dégâts. Très efficace. 20 de dégâts et la prochaine personne qui l'attaque aura avantage. Ok. Ça sera... Très bien. Moi. Excellent tour. Ensuite, ce sera à Birzim, ouais, effectivement. Alors, moi, j'arrive là, du coup, et je lui fais Eldritch Blast. Eldritch Blast, vas-y. Alors... T'as avantage sur le premier. Ouais. 15. Avantage, pardon. Ouais. 16. 16 pour toucher, ça touche. Ok. 10. 10. Ouais. Ça lui sera fatal. Allez ! Allez, bien joué. C'est vrai ouais. Qu'il est pas fort. Pas fort. Ah, c'est un élémental conjuré, quoi. Peut-être que je lui ai fait beaucoup de dégâts. Aussi. comment ça se passe ? À quoi ça ressemble ? Ça lui soit fatal. Ben, il se prend le Blast. Oui. Et ça, vraiment, ça le pulvérise en gouttelettes de... Fait de la vapeur. À la fois, enfin... Pas vraiment de la vapeur, plutôt de la une brume quoi, tu sais, comme ouais. Un brumisateur quoi. Bon, ça arrose un peu si ça arrose. Ça arrose un peu Dithmir. Voilà. Et Corbe, voilà. Pas loin. Mes deux autres Eldritch Blast, je fais comme dans le film, j'ai oublié. Bon bref, vous voulez les tirer en l'air. Dans Point Break. Merci. Très bien. c'est à quand maintenant de jouer ? Eh ben, je commence tout de suite à courir en direction de... D'accord. Tu essayes de remonter sur le cheval ? Bah oui, je pense que c'est mieux. J'essaye, ouais. Très bien, fais-moi un test de Animal Handling. Non, je pense que je vais tomber. C'est combien ? J'ai fait un. Un ? C'est un total de ? Bah, c'est un total de 4. Un total de 4, oui, bon bah... En fait, t'essayes de remonter sur le cheval, tu tombes pas vraiment, mais le cheval rue un petit peu et se barre dans l'autre direction. Aïe, aïe. Tu peux pas vraiment monter sur le cheval, mais bon, tu cours. Là, je vais pas vous cacher que le retrouver dans les ruelles avec le retard que vous avez là, ça va être difficile, donc autant gagner du temps de jeu. À moins que vous ayez, je sais pas, une solution miracle, magique, mais... Connaissant vos fiches, je crois pas. Alors, que vous ayez de sort. J'ai juste ça, une... T'as peut-être une idée créative. Ah non, là tout de suite, non. Ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas moyen de... son truc de... Sa bille de communication, là. S'il n'y a pas un sort qui existe pour localiser... Alors... Trouver mon... Je t'épargne le jet. Trouver ma terre. Ça s'appelle Locate Object. C'est disponible. Enfin, c'est possible de dans faire ce sort. Dans le store, abonnez-vous. Donc peut-être que Corvinus ou le clerc qui était avec nous peut faire ça. Ça a servi à rien d'ailleurs, ce clerc. Hein. Bah, il a fait ça. Il a fait ce à quoi. Ouais. Une belle vérité d'ailleurs. Ah, t'as le seum parce que notre plan était merdique. C'est pas de la faute. Bon, non, j'ai le seum parce qu'il s'est enfui juste. Oui. Après, on peut se blâmer autant qu'on veut, mais. Non, mais oui. J'arrive au loin et je vois pas trop et je fais c'est bon, vous l'avez eu. Pas exactement. Je te réponds pas. Bon, on retourne au camp, non ? Ah, mais de toute façon, il a fluidifié, mais moi, je suis allé à la ville, je le traque une heure s'il faut. Au bout d'un moment, j'abandonne, mais... Oui, remarque, oui, d'accord. Je pense que je reviens pas pour débriefer, là, si vous voulez faire ça, vous.
J'essaye en tout cas. Je sais que ça ne marchera pas, mais bien sûr. Non, mais je pense qu'on l'a tous coursé de toute façon, mais après. Oui, oui, vous avez tous essayé. On peut considérer que vous avez passé, je sais pas, une demi-heure, une heure à retourner tous les tonneaux qu'il y a dans la ville et essayer de chercher sous les chariots, etc. Et malheureusement, en vain. Bon. Et on va aussi faire savoir aux autorités de la ville qu'il est recherché, etc. Oui. Après, putain, s'il se cache dans la ville, il est audacieux, mais... Bah, c'est ce qu'il fait là. On sait pas. Non, je pense qu'il est en disguise self. C'est ça, je pense qu'il peut se dissimuler. Bon. Totalement. Je peux vous le dire, hein, première ruelle, il a pris l'apparence de... Oui, d'un piéton, voilà. Lambda. Et ben, on tue tout le monde. Extermination de toute la population. Je vais faire renifler le médaillon à Alexander. Bon. Je vais voir... Pas con, cela dit, ça. Et Mais moi, je vais voir Corvinus. Ouais. Je lui demande toujours s'il est... Si... Avec son petit bouillon. S'il est capable de... S'il connaît le sort... Locate object. J'ai un dé de 4. Je suis en train de me dire, c'est une réserve infinie de sorts. Ouais, il en connaît beaucoup. Non, je connais pas. Ouais, oh, bon bah bonne nuit. je me casse. Non mais je peux demander à Alexander. Après la ville est quand même grande, mais je peux essayer de. Oui. On peut essayer de lui demander de pister. Mais il y a bien quelqu'un dans cette ville qui faut organiser un genre de battue parce qu'il y a forcément des. Tu vois ils avaient dans les égouts etc. Il y a peut-être d'autres spots en fait pour des rituels. Je pense que là va falloir être actif là-dessus quoi. Non, mais il y a bien quelqu'un dans cette ville qui connaît... Si on va demander à la Bagatour, elle peut peut-être nous dire quelqu'un qui connaît... Enfin, pas à la Bagatour. Ah ben, en fait, il faut interroger les trois personnes qui sont dans le carnet, en fait. Il faut les faire arrêter et les faire interroger pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait un qui cède et qu'on trouve un... qu'on ait un vrai indice sur... comment le retrouver. On se sépare. Parce que moi, je pense que si on fait locate object, si jamais il l'a, sa bille à la con, là, on peut savoir où mais il est, carrément. C'est pas ton frère qui l'a, la bille. C'est pas le légionnaire qui l'avait... Il lui a pas confisqué, parce que sinon, il se serait peut-être quelque chose. Il lui a rendu pour qu'il se doute de rien. Enfin, il l'a rendu. Il a chargé un de ses soldats de le remettre là où il l'avait trouvé. Donc, potentiellement, il l'a... Donc, on peut essayer de demander à Kyle s'il a ce sort-là, si on peut le faire. Au demi-orc, s'ils ont fait arrêter les trois personnes pour essayer de les interroger et du coup, d'avoir des informations sur peut-être où est-ce qu'ils se cachent. Bon, allons voir la Bagatoire, là. On y va. Donc, vers la Bagatoire, au palais. Très bien. Vous vous rendez au palais, vous êtes reçu illico, vu l'urgence imminente qui a l'air de vous animer. Et elle est là avec ses conseillers habituels. Que se passe-t-il? Alors... Qui commence? Une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, commençons par Pour faire très synthétique, on a tenté d'appréhender ce qui nous semble être un des dirigeants du culte. Oui. Et il nous a glissé entre les doigts. Il est dans la ville, mais c'est un mage très puissant. Mm-hmm. Et on a perdu sa trace dans l'immédiat. D'accord. On a plusieurs pistes, mais on n'a pas les moyens de le faire en autonome, tout simplement. Donc, on a besoin de votre aide là pour essayer de le retrouver. D'accord. On a un objet qui est on a un objet magique, on sort la bille. On a la bille, le talisman, tu veux dire? Non, c'est KSO qui l'a. La bille de Quillis. Ah oui. Oui. La pierre de communication, pardon. Oui. On dit qu'on a ça, on sait que cet objet permet de communiquer, enfin, qu'il y en a un deuxième et que ça permet de communiquer et qu'il l'a probablement avec lui. Est-ce que, vous avez le moyen de localiser l'objet que, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait le faire? Non, je sais le faire, mais... Wow. Let's go. Non, le problème, c'est que je sais localiser un objet que je connais, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà... Ah oui. Là, vous me dites que ça ressemble énormément. C'est exactement la même et elles sont connectées même magiquement, en fait. Et vous pouvez pas faire un parchemin pour que... Remarque, je l'ai pas vu non plus, donc ça me... Mais mon frère, peut utiliser un parchemin. C'est le légionnaire et KSO qui l'ont vu. Mais mon frère, s'il y a un parchemin. Elle a entendu, elle était en forme de corneille à l'extérieur de la tente de général. Ah, et elle a entendu le dialogue. Elle a entendu, juste. Mais mon frère, si un parchemin, il peut... Non, non. Il peut pas. C'est les praticiens de la magie qui peuvent lire un parchemin. Putain. Parce qu'il y a un lien magique entre les deux pierres, ça c'est sûr. Oui.
Bah sinon, on parle à la paix. Non, non, mais Pierre, je réfléchis pendant qu'on en parle, mais il y a une chance que ça échoue. La deuxième chose, c'est que ce sort de localisation des objets n'a pas une portée infinie. Ouais. Et la ville est grande. Voilà, ça a une portée de 300 mètres. Ouf. La ville est grande. Après, dans le carnet, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais oui. Dans le carnet, on a l'air de savoir à peu près où... J'ai l'impression que tout se passe un petit peu dans Bournegos. Non, pas seulement. Il a aussi des alliés dans le quartier des Flots Pourpres. Xelald, notamment. Ça ne s'écrivait pas comme ça. Des pourpres horizons. D'accord. Et sinon, effectivement, c'est plutôt dans le quartier de Bournegos. Mais oui, ça va être effectivement, je pourrais faire le sort. Alors, avant d'aller à la conclusion, notre autre sujet, c'est que dans ce carnet, il y a trois personnes qui sont clairement à travailler avec eux. Xelal et Nebish. Est-ce que ça vous paraît envisageable qu'on les appréhende et qu'on les interroge ? Avec l'aide du prêtre, au moins, eux, ils nous diront la vérité. Le problème d'appréhender ces trois personnes, c'est que ce sont des opposants politiques, qu'ils sont puissants, qu'ils sont influents, et qu'on est, en faisant ça ostensiblement et publiquement, et officiellement, on risque une guerre civile. Voilà. Compliqué. C'est ça. Ce ne sont pas des marchands du coin de la rue. Tout à l'heure, je demanderai à Alexander, on verra si son flair est bon, quoi. En revanche, localisation d'objets, je peux éventuellement le faire aux alentours de leur domicile à eux. Peut-être que eux... Ah, peut-être qu'ils le cachent. Cachent, peut-être qu'ils lui offrent refuge. C'est une possibilité. C'est une bonne idée. Voilà. Ce que je peux vous proposer, en tout cas, c'est la première réflexion que j'ai. Mais des interpellations et des mises au fer... Oui, je comprends bien. Public, comme ça, c'est très délicat. Surtout qu'on n'est pas dans un contexte de stabilité. C'est vrai. Le peuple est déjà dans une angoisse assez élevée. Des infos qu'on a, vu que Quillis était logé à Bournegos, je pense qu'en fait, globalement, ça devrait être là où... Sauf si, effectivement, il est allé se réfugier chez l'un d'entre eux dans un autre quartier. Quoi. En tout cas, on va commencer par Bournegos. On peut commencer par... La portée du sort est suffisante pour qu'on peut considérer qu'elle englobe chacun des quartiers. Donc, on essaye le Bournegos ou... En premier, oui. Bournegos, hein. Très bien. Allez. Je vais me préparer et je vous rejoins. Merci. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Il est un peu tendu, le compte. Bah ouais, en même temps, on n'est pas porteur de bonnes nouvelles. Ce qui se passe en ville. Non, c'est sûr. Est-ce que je vais chercher... Remarque, c'est loin. Je vais chercher mon frère pour qu'il vienne avec nous ou on reste... Marc, non, lui, il a son coin à gérer. Je pense pas qu'il reste ensemble, peut-être on ira le voir plus tard. Je pense qu'il explique à ses hommes et tout. Enfin, comme tu veux. Non, mais je pense qu'il viendra pas, de toute façon. On peut aller le voir plus tard. Non, c'était pour lui dire de venir avec nous pour nous prêter main forte. Mais bon, je pense pas qu'il viendra de toute façon. Pourquoi ? Il a son camp à gérer, je pense pas qu'il part comme ça. Si on se met à sa place, il était en mauvaise posture quand même. Il était à poil, a priori. Donc là, il a cherché à se soigner, en fait. En priorité. Ouais, sauf s'il a des sorts de soins, lui, et du coup, il se soigne tout seul. Les magiciens n'ont pas de sorts de soins. Ok. Ouais. Donc a priori, là, il va chercher du soutien immédiat. Auprès de ses... Dans une planque, ouais. Ouais. Peut-être chez Coulis. Hein. Donc moi, je commencerai par Bournegos. Attends, pas parce qu'on lui a dit qu'on l'a tué, Coulis. Coulis, il est mort. Je lui ai dit... Oui, mais donc la planque de Coulis est dispo. En fanfaro, non. C'est normal, non. La planque... Non, mais c'était pour l'intimider, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de... La planque de Coulis, elle est dispo, je sais ça. Oui, mais il n'y a personne pour le soigner sur place. Ouais, mais il y a de l'encens. Il va se reposer. Il va faire un... Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut...
Enfin, bon, là, on va partir pour bon négoce, de toute manière, donc on peut y passer. Oui. Après, bah, il peut en jeter combien des... Localisation d'objets. Ouais. Je vous ai dit, la portée du sort, en fait, vous vous mettrez au milieu du quartier. Ouais. Et la portée du sort englobe chaque quartier, en simplifiant. D'accord. Mais il doit le faire combien de fois ? Plusieurs ou... Ou il peut le faire au moins 4 fois. Okay. Ah ouais, bon, ça va. Bon, bah, sachant que le sort dure 10 minutes. Donc, en gros, c'est comme Detect Magic. Il te suit, quoi ? Ouais, ah, ça se déplace avec toi. D'accord, ok. Bon, bah... Faudrait être... Donc, si vous vous mettez juste devant la villa où vivait Quillis, il le saura directement si vous êtes là. Parfait. Et si vous allez d'autre part... voilà. Bah, écoute, on fait ça. On essaye de perdre le moins de temps possible. Il sait qu'on a tué Quillis, mais il sait pas qu'on sait où est sa maison. Ouais, t'as raison. Il a mis une cape avec une capuche. Il a son grimoire relié sous le bras. Et... allons-y. Et alors que le soleil se couche sur la baie, la nuit est en train de s'emparer des rues de Bourg-Négos où vous avancez. Et ce sera tout pour cette semaine dans La Bonne Auberge. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, même chaîne. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et aimez-vous les uns les autres aussi tant que vous y êtes.